Hello, c'est Lucille. Aujourd'hui, on se retrouve pour 10 minutes de yoga à faire dès le réveil. C'est parti. Alors, pour démarrer cette séance du matin, on va commencer par venir s'asseoir sur les talons. Mais pour ça, on va mettre ses pieds flex. Vous pouvez voir, voilà, on se met pieds flex. Et on vient s'asseoir ici, on étire la plante du pied. Et on va inspirer, se grandir. On attrape le poignet droit avec la main gauche et on étire sur le côté droit. Viens, on s'inspire. Étire l'autre côté. Donc on cherche à se grandir, le dos est droit. On allonge sa colonne. Nouveau au centre. Deuxième fois. Inspire. Ok, on relâche doucement. À présent, on va venir attraper nos mains dans le dos, les croiser. Et on va abaisser nos épaules. Cherchez à serrer les omoplates, on est transgrandi. Et dans cette position, on va venir étirer les trapèzes, faire du bien à notre cou qui souvent fait un petit peu mal quand on se réveille. Donc, vous allez légèrement incliner votre tête du côté gauche. La tension doit être légère. Si c'est trop désagréable au niveau des pieds, parce qu'on est toujours en tension sur les pointes de pied, vous pouvez tout à fait poser vos pieds à plat. On passe de l'autre côté. La tête un peu plus vers l'avant. Donc on va sentir les tirements plus vers l'arrière du cou. Ou vers la nuque. L'autre côté, on abaisse un peu plus vers l'avant. Ok, on relâche. On va venir se mettre à table. On décolle. Si vous venez juste de décoller les pieds, vous pouvez les tapoter. Hop, on va inspirer, creuse le dos. Expire, arrondis le dos. À nouveau, inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. On va rester en table ici, on va ouvrir, chercher la torsion. Donc on lève le bras au ciel, on regarde sa main. Ok, relâche. On vient avancer les mains vers l'avant. On étire les épaules. Maintenant au sol et on va revenir se poser le front sur le tapis. On va inspirer et délicatement s'élever en cobra.
Donc quand même, faites très attention, on se lève juste. Donc suivant votre facilité à faire ce mouvement, vous allez pouvoir monter plus ou moins haut. Si vous êtes habitué, vous pouvez tendre les bras. Mais si vous êtes débutant, que vous faites cet exercice peu souvent, surtout ne tirez pas trop sur vos lombaires. On redescend, pose le front au sol. On va le faire. On vous inspire, on se grandit. Cet exercice est vraiment excellent pour le dos. Pensez à le faire, que ce soit le cours éveil, mais aussi en journée si vous passez votre journée assis au bureau devant l'ordinateur. Ok, à présent on va venir se mettre sur une pointe de pied, pousser pour se redresser, fléchir les jambes et se placer en chien, tête en bas. Donc c'est le premier, on vient juste de se lever, on est tout raide, on n'hésite pas à alterner des jambes tendues, jambes fléchies. Prenez le temps, n'hésitez pas aussi à bouger les jambes, à chercher de l'espace. On va inspirer, se grandir sur la pointe des pieds. On vient contracter notre mollet. Puis on va venir chercher un élétal au sol cette fois et étirer le mollet. À nouveau, inspire, pointe de pied, contracte le mollet. Expire. Inspire. Expire. À présent, on va venir se placer en Dolasana. Donc, pour travailler l'ouverture des hanches de bon matin, on vient se poser les pieds. Écartez ici. Et donc vous avez. Et on vient mettre ses mains en prière. Donc on cherche à se grandir, à garder le dos le plus droit possible. Si c'est vraiment trop confortable et trop dur de rester droit. Expire, amenez les pieds vers l'arrière, on descend, juste au sol.
Inspire cobra. Expire chien tête. Ramène les pieds entre les mains. Inspire, on se grandit. Expire. N'hésitez pas à prolonger cette séance évidemment en faisant des mouvements qui vous plaisent particulièrement ou en refaisant des positions que vous avez appréciées et que vous voulez prolonger. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.